Les instants privilégiés Hot Mix Radio avec Blackberry Smoke. Le question-réponse. So, a little cautionary, just for you. Ok ? Je l'ai bien dit ou pas ? Oui. Ouais, super. Quel est votre groupe ou artiste préféré ? What's your favorite band or artist ? The Rolling Stones. Pas d'accord. I can't decide. I get an F. I'm sorry, I can't decide. There's so many. Donc les Stones d'un côté et pas de décision de l'autre. Ok. Votre titre, leur titre préféré de tous les temps ? What would be your favorite song from all, of all time ? Favorite song of all time? Holy cow. Happy birthday. Amazing Grace. Okay, Amazing Grace. Sorry, serious song. Pour la blague, joyeux anniversaire, mais sinon Amazing Grace. Très bien. Le premier album qu'ils ont acheté tout seuls, on ne leur a pas offert, hein. Ils l'ont acheté. What's the first album you ever bought yourself? Van Halen, 1984. I think it was Yesterday and Today, Beatles, or Elton John, Captain Fantastic. I can't remember which one I bought with my own money. I don't know what I did to earn it, but it was... On a Van Halen, 84 d'un côté, et du coup, les Beatles, Yesterday and Today, ou Elton John, Captain Fantastic. Très bien. S'ils boivent de l'alcool, quel est leur alcohol préféré? If you drink alcohol, what would be your favorite alcohol to drink? I don't. I used to, and it was bourbon. I like Heineken. It's just never let me down. He's been drinking Heineken as long as I've known him, and I've known him about 22 years. And it's never let me down. Never let you down. That's right. On a le bourbon d'un côté, mais maintenant il a arrêté de boire. Et en ce qui concerne Brett, c'est la bière, Heineken. Et ça fait à peu près 20 ans qu'ils se connaissent tous les deux. Ça fait 20 ans que c'est toujours la même chose. Là, j'ai jamais laissé tomber, c'est ça. Le premier, est-ce qu'il y a un artiste qu'ils ont vu en live et qui les a vraiment impressionnés? Is there an artist that you saw live that particularly impressed you? Paul McCartney. Lately? Oh yeah, Paul McCartney, Robert Plant. Same, it was the same, festival in Belgium. It was amazing. Donc, ils les ont vus au même festival en Belgique. Il s'agit de Paul McCartney et de Robert Plant. Est-ce qu'il y a un artiste qu'ils n'ont jamais vu live, mais qu'ils aimeraient voir? Is there an artist that you never saw live, but you wish you could? Elvis. Right, yeah. Can't do anything. Elvis. Elvis. Donc Elvis. Est-ce qu'il y a un festival en particulier ou une salle de concert où ils adoreraient aller jouer leur musique? Is there a particular festival or concert hall you wish you could play your music in? That stadium you have here up the street. Donc oui, ce serait le Stade de France. Stade de France au bout de la rue. Est-ce qu'ils ont une sorte de rituel avant de monter sur scène? Do you have particular rituals before you get on stage? No. We need one. We do. But we've never figured out one, so. Yeah. Walk towards the stage, that's the ritual. Il en faudrait un, mais ils n'en ont jamais trouvé un, donc ils se contentent simplement de marcher vers la scène. Ce qui est déjà pas mal pour y arriver. Est-ce qu'il y a un objet à la part leurs instruments de musique et leur téléphone qu'ils emmènent tout le temps avec eux? Is there an object, apart from your guitars and your phones, that you always bring with you? Like a good luck charm. Mm. Bear claw. Yeah. Donc, oui, en ce qui concerne Brett, c'est une griffe d'ours. Très bien. Et non? No, nothing. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire comme métier s'ils n'avaient pas fait de musique? What job would you have done if you had not played music? Auto body repairman, that's what I did. Nah, I'd probably mow grass. Pretty good at that. Yeah. Ça aurait été plus manuel, on serait été dans la réparation de voiture et le jardinage. Très bien, ceci dit, ils peuvent toujours le faire, même en étant musicien. You could still do it, even if you're yeah. musicians. Ils le font? Ils aiment bien réparer les bagnoles et faire du jardinage? You're doing it? I, well, when I go home, I do it. I mow the lawn. Quand tu rentres chez eux, oui.